Puis, un jour, tout est changé. Ce qui était détestable pour vous, qu'on vous avait toujours défendu, on vous le permet. Par exemple, pourrais-je prendre du champagne? Mais parfaitement, si cela vous est agréable. On n'en croit pas ses oreilles. On fait venir les marques qu'on s'était le plus défendu. C'est ce qui donne quelque chose d'un peu vil à cette incroyable frivolité des mourants. Ça me fatigue trop de vous dicter. Je vais essayer d'écrire. Je veux bien que vous m'apportiez un peu de lait chaud, mais c'est juste pour vous faire plaisir. Vous savez, Céleste, si je passe cette nuit, demain, je prouverai aux médecins que je suis plus fort qu'eux. Attendez, là, dans le bureau. Merci. Vous pouvez aller maintenant. Ne me laissez pas seul trop longtemps. Odette. Ce clocher, je lui ai toujours trouvé un air. Grand-mère. Oh. Les verdurins. Les fleurs, il n'en avait jamais vu. Sans mon épouse, ce sont des fleurs. Tous les amateurs d'art, sites comme le premier, n'auraient jamais su faire un jasmin. Voilà mon discours. Maman. Papa. Hein? Que tard. Que l'on remarque parfois dans la matière. Monsieur et Madame Cotard. C'est le médecin qui... Monsieur et Madame Verdurin. Madame de Forcheville. Le prince Robert. Robert de Saint-Loup. Sur ce point, je suis d'accord avec mon oncle Charles. Le baron de Charlus. Ça n'a rien à voir, les féminins. La duchesse de Guermantes. Oh. Oui, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Madame de Farcy. Oh, encore papa. La vicomtesse de Saint-Fiacre. Oh, Marquis Rachel. De Gilberte. Et moi. Ce qui m'a guidée dans ma réflexion. Quelle honte! C'est joli quand même. J'ai une passion pour Chopin. Ah. Pas vous? Moi aussi.
ne sait vraiment pas ce qu'on va faire. Il paraît qu'Odette est dans le coin. Je me trompe ou c'est Beethoven? Ah, hélas. Quel culot, elle débarque comme ça sans prévenir. Oh, la vieille. Ou je rêve? Vous rêvez, ma chère. Elle est superbe. Ma chère amie, mais quel bonheur de vous voir ici, je n'y croyais plus. Comment va monsieur de Forcheville? Vous connaissez Charlie, bien sûr, il me fera mourir de rire. Vous savez le tour qu'il leur a joué? Les danses allemandes de Beethoven. C'est votre gendre, je crois, qui a une passion pour Beethoven. Ce serait plutôt Schumann. Ah oui, bien sûr, oh, j'ai passé une nuit épouvantable, une migraine atroce. Je le sais pourtant qu'il ne faut pas en ce moment lire les journaux avant de se coucher. Eh bien voilà, vous avez entendu parler de ce soldat qui revenait en permission? Dans le train qui le ramenait à Paris, il a appris à la fois que sa maison avait été bombardée, ses deux enfants sont morts et sa femme est grièvement blessée. C'est trop, non? Non, c'est injuste, quoi. Je parle, vous voulez peut-être un petit rafraîchissement? Oh, Morel a disparu. Celui-là, c'est un vrai courant d'air. C'est peut-être moi qui le fais fuir. Ah non, mais venez, je vous assure que c'est beaucoup plus amusant que tout ce que vous pouvez raconter. Marcel. Il était une fois un mari jaloux qui fit condamner à mort son épouse innocente. Elle s'appelait Geneviève de Brabant et les serviteurs chargés de l'égorger dans une sombre forêt prirent pitié de la malheureuse. Ils lui laissèrent la vie sauve. Quelques années plus tard, le comte Siegfried la découvrit endormie au creux d'un arbre. Je vous gêne peut-être? Vous voulez que j'arrête? Tu ne joues plus? Tu t'ennuies? Je crains que malheureusement ton cœur ne soit trop sensible pour ce spectacle. Tu sais, il faut être un vrai soldat pour regarder en face telle boucherie. Je m'étais pas trompé. Gilberte, pourquoi ne voulez-vous pas me répondre? Si je vous disais que ce jour-là, le temps m'a manqué, j'aurais voulu vous offenser à mon tour. Ah bon? Pourquoi? Pour vous obliger à garder un souvenir de moi.
Moi, en tout cas, j'ai souvent pensé à votre petit geste de la main. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. J'avais 12 ans. C'était donc un geste plein d'innocence. Plein d'indécence, oui. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas imaginé? Je voulais simplement vous dire que je n'avais jamais vu un aussi joli garçon. Je n'aurais pas dû. Gilberte, Marcel, venez. Céleste, vous êtes là? Dites-moi la vérité, Céleste. Y a-t-il des roses dans la maison? Des roses? Ah, sûrement pas, monsieur. Vous faites de la peine? Je vous crois, Céleste, je vous crois, mais... Tout à l'heure, lorsque monsieur de Charlus est passé, je m'étais assoupi. Personne n'est venu, monsieur, je vous le jure. Mais il avait peut-être une rose à la boutonnière. À moins qu'il ne l'ait... jeter avant de franchir le seuil. Vous savez bien, il suffit de quelques grains de pollen. Monsieur de Charlus n'avait pas de rose à sa boutonnière. Faites-moi plaisir. Demandez-lui par téléphone s'il l'a jetée dans l'escalier. Toute la journée, dans cette demeure un peu trop campagne, qui n'avait l'air que d'un lieu de sieste entre deux promenades ou pendant l'averse, et où sur la tenture des chambres, tous les pommiers de Normandie sont venus se profiler en style japonais pour halluciner les heures que vous passez au lit. Toute la journée, je la passais dans ma chambre, qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée, les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil, et la forêt de mes églises. Je ne regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais « C'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre. » Jusqu'au moment où, dans le vaste tableau verdoyant, je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre, simplement parce qu'il était plus loin, le clocher de l'église de Combray. Ce clocher, je lui ai toujours trouvé un air naturel et distingué. Vous pouvez vous moquer si ça vous chante. Il n'est peut-être pas beau dans les règles, mais sa vieille figure bizarre me plaît. Je suis sûre que s'il jouait du piano, il ne jouerait pas sec. Je serai de retour demain soir. Pour partir après-demain, c'est ça? Je suis désolé, Gilberte. J'avais complètement oublié ce rendez-vous avec un monsieur du pays qui m'attend à Paris. Vous pourriez peut-être... Je ne sais pas, l'appeler au téléphone, lui dire que... Non, hélas. Cela me peine horriblement. Vous me croyez? Sentez comme mon cœur bat vite. Anormalement vite, c'est à cause de vous. Je ne supporte pas de vous voir aussi triste. Je m'en veux. Vous ne pouvez pas savoir comme je m'en veux. Vous en faites trop, Robert. Beaucoup trop. Gilberte, vous ne m'embrassez pas? Gilberte! 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 Que lisez-vous là? Je peux regarder? C'est un volume du journal des Goncourt. Ça m'amuse parce qu'il y a des choses sur papa. Et sur des gens qu'il a connus autrefois. Vous me le prêterez? Je vous le laisse. Vous lirez dans le train? Non. Celui-ci, je le garde. Ça s'appelle La fille aux yeux d'or.
C'est très inconvenant. Je le connais. C'est admirable. À vous trouver ? Moi, je crois que ces femmes-là ne sont jalouses que des femmes. Pour d'autres, l'homme est l'ennemi. Il est celui qui apporte la mauvaise caresse. Moi, j'ai été très malheureux quand j'ai su que ma fiancée aimait un autre homme. Mais ça ne m'a jamais causé la même souffrance que si elle aimait les femmes. Et cette fameuse fiancée, vous l'avez aimée autant que moi, puisque vous prétendez m'avoir aimée? Peut-être pas autant. Et puis, elle ne vous valait pas. Mais enfin, je l'ai vraiment aimée. Elle aimait aussi les femmes? Je crois que oui. Mais je n'en suis pas sûr. Tenez. Vous devriez vous en souvenir. Albertine. Vous m'avez même dit autrefois qu'elle avait mauvais genre. Moi, j'ai dit ça. En tout cas, si je l'ai dit, vous faites erreur. Je voulais parler d'amourette avec des jeunes gens. D'ailleurs, à cet âge-là, il ne pouvait pas se passer grand-chose. Vous savez ce que je pense ? Que nous parlons trop. Et que nous oublions de manger. Je me dis que les femmes qu'on n'aime plus et qu'on revoit après des années, eh bien, entre elles et nous, il y a la mort. C'est comme si elles n'étaient plus de ce monde, puisque notre amour n'existe plus. Vous voulez dire que je suis morte ? Non. Non, je pense seulement à toutes ces questions qui me torturaient et qui aujourd'hui n'ont plus d'intérêt à mes yeux. Par exemple ? Le soir où je vous ai surprise aux Champs-Élysées, marchant à côté d'un jeune homme, à moins que ce ne fût une jeune femme, si vous saviez à quel point ça m'a rendu malheureux, je me disais, c'est fini, je ne la verrai plus jamais. Je crois me souvenir. Non, 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 ne cherchez pas. Ça n'en vaut plus la peine. C'est ça qui est terrible. C'est que le chagrin... et on peut en mourir... ne laisse aucune trace. Vous voulez savoir avec qui je me promenais ce jour-là ? Non. De ramasser les morceaux et de les jeter. Non. Non, non, non. Lavez-les et mettez-les dans la petite boîte en acajou qui est dans ma chambre.
Vous avez vu cet homme ? C'est avec lui que Robert, en ce moment même, est en train de conclure une affaire de première importance. Ils avaient tous les deux rendez-vous à Paris. Il vous a reconnu ? Je ne sais pas. Je vois que Robert ne prend même plus le temps de prévenir ses comparses. Et je n'ai plus la force de le confondre. Je suis fatiguée. Fatiguée de tous ces mensonges. C'est peut-être ma faute. Une femme délaissée qui se complaît dans son chagrin creuse sa propre tombe. Je devrais m'y prendre autrement. Est-ce qu'il vous parle de cette Rachel ? Ne me répondez pas. Robert est aussi votre ami. C'est pas la signature de Gilberte, je la connais. Mais si c'est Gilberte, je l'oublie. Regardez, là, c'est un A, pas un G. Mais non, Françoise, vous dites ça pour m'embêter. Je dis ce que je vois. C'est un A, et ici, c'est un N. Mais non. Mais si. Et non. C'est bien gentil de me faire porter des roses tous les soirs. Au début, je trouvais ça charmant, mais enfin, au bout du 20e bouquin, on commence à se poser des questions. On se dit que ces roses cachent sûrement quelque chose. Quelque chose de louche. Et je suis pas du genre à prêter l'oreille au ragot, mais... Il y a toujours un bon ami qui vous dit « Méfie-toi de Robert, il se ment à lui-même, il ment à tout le monde. » Il y a qu'une chose qui peut pas mentir, c'est quand on le surprend avec Morel. Ah là, son regard amoureux peut tromper personne. Je sais pas. J'arrive pas à y croire, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous ? Vous pensez que je suis folle d'aimer cet homme ? Oh, des fraises à l'éther. Ça, c'est comme un baiser à la neige. Merci. Avez-vous lu la critique du Figaro ? Nous avons eu cette semaine une fois de plus la preuve que ce sont bien les arts qui secouent, réveillent et font avancer la société. C'est bien le scandale. Le scandale provoqué par la présentation de la profanation met de nouveau l'accent sur l'impact que peut avoir une œuvre sur son public. C'est drôle. Tu t'en vas déjà ? J'ai rendez-vous. Je peux savoir avec qui ? Je suis des cours d'algèbre en ce moment. Je t'avais pas dit. Je croyais qu'on dînait ensemble. Une autre fois, hein?
sais ce que je me dis? Je me dis que si un jour j'apprends que tu me trompes, je te quitterai immédiatement. Tout le temps qu'on restera ensemble, je veux que tu me sois fidèle. D'une fidélité absolue. On va commencer par là, parce que tout commence là. Tu parles toute seule? C'est à toi que je parlais. À moi? Et qu'est-ce que tu me disais? C'est un secret entre nous. Et les secrets, ça ne se répète pas. Comment s'est passé ton cours d'algèbre? J'aurais préféré passer l'après-midi avec toi. Charlie? Oui. Qui est cette femme? C'est une longue histoire. Quelqu'un m'a supplié de lui procurer une photographie de cette jeune comédienne. Un admirateur? Un futur amant? C'est une histoire sans intérêt. Je compte sur toi, Marcel. Je sais que Gilberte te fait confiance. Tu trouveras mieux que moi les mots pour la persuader de mon amour. La femme que j'aime aussi. Mais je l'aime moins que Gilberte, bien sûr. Et pourtant, elle me donne tellement de preuves de sa tendresse. Figure-toi que je suis le premier. Tiens. Lis cette lettre. Elle m'écrit qu'il ne peut y avoir de bonheur pour elle qu'avec moi. Et qu'avant moi, il n'y avait personne. Personne dans sa vie. Gilberte. Qu'est-ce qu'elle fait, Gilberte? Gilberte? Je sens que je vous dérange. Non, pas du tout. Nous parlions de la guerre des Balkans. Je vous propose de poursuivre votre conversation à table. Le dîner servi. Oh. Pardonnez-moi. J'ai dû prendre froid. Pourquoi me regardez-vous ainsi? C'est la coiffe qui vous étonne? Non. Qu'en pensez-vous? Ça ne vous ressemble pas du tout.
Si je me ressemble trop, vous ne me voyez plus. Allons, ne faites pas cette tête-là, je me sens d'excellente humeur. Profitez-en. Venez, mon ami. Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez de ce fâcheux incident? Je sais que vous m'en avez voulu pendant longtemps. Mais ce n'est rien, j'ai fait ce que je devais faire. Voilà, la tasse est réparée, ainsi que toutes celles qui ont été cassées par d'autres. La lecture du journal inédit des Goncourt me produisit un curieux sentiment de trouble. Goncourt y racontait un dîner qu'est Conti, où était l'hôtel des Verdurin. Il y avait la Cottard, le docteur, et sa femme, le sculpteur polonais Virovski, Swann, le collectionneur, une grande dame russe, une princesse, dont Swann disait qu'elle aurait eu à bout portant l'archiduc Rodolphe. Des assiettes des Jungzing, à la couleur capucine de leur rebord, au bleuâtre, à l'effeuillée turgide de leur iris d'eau, des assiettes de Saxe plus mièvres dans le gracieux de leur fer, à l'anémie de leurs roses tournées au violet, des assiettes de Sèvres engrillagées par le fin guilloschi de leur cannelure blanche. Et, ce qui est peut-être rare, c'est la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans. Un manger finement mijoté, tout un fricoté comme les Parisiens, comme il faut le dire bien haut, n'en ont jamais dans leur plus grand dîner. J'imagine quel plaisir ça doit être pour vous que de manger dans une telle collection d'assiettes. Oui. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Mon mari est un maniaque, totalement indifférent à toutes ces jolités. Je crois entre nous qu'il préparait une bonne bouteille de cidre dans la fraîcheur d'une ferme normande. Vous connaissez la Normandie? Vous autres occidentaux, vous ne pouvez comprendre cette espèce de pénétration par un écrivain de l'intime de la femme. Pourtant, vous êtes écrivain, un très bon écrivain. Vous n'avez pas idée du succès que vous auriez dans mon pays. Imaginez seulement qu'à la mort de mon frère, toutes les femmes de Moscou se sont mises un ruban de crêpe autour de la cuisse. De la Normandie, je connais surtout les paysages d'Elstir, si délicatement pastellisés. Elstir? Mais c'est moi qui lui ai fait connaître tout cela. Les fleurs, il n'en avait jamais vu, il ne savait pas reconnaître un Althea d'une passe rose. C'est moi aussi qui lui ai fait reconnaître le jasmin. C'est la stricte vérité. Sans mon épouse, ce peintre des fleurs que tous les amateurs d'art citent comme le premier n'aurait jamais su peindre un jasmin. Je lui apprenais à disposer ses fleurs. Il n'a jamais su faire un bouquet. Combien de fois lui ai-je dit, mais non, mon petit Elstir, non. Ne peignez pas cela, cela n'en vaut pas la peine. Peignez ceci. S'il nous avait écoutés aussi pour l'agencement de sa vie, il n'aurait pas fait ce sale mariage. Vous avez remarqué ce magnifique collier de perles au cou de Madame Verdurin? Admirable, en effet. Des perles noires, qui étaient blanches à l'origine. Vraiment? Je parle des perles de la maîtresse de maison, et Monsieur de Goncourt ne me croit pas. Il a tort. Et c'est dans un incendie qu'elles ont noirci. J'avais à l'époque un coffret de bronze dans lequel je rangeais certains bijoux. Et quand notre appartement a brûlé, on a retrouvé le coffret et les perles. Qui était telle que vous les voyez aujourd'hui. Ah ! Est-ce que ce n'est pas de la magie noire ? Et ce n'est pas tout. Les métamorphoses que l'on remarque parfois dans la matière inanimée
On les observe aussi dans le cerveau humain. Là, c'est le médecin qui vous parle. J'ai moi-même soigné le valet de chambre de Madame Verdurin, qui avait failli mourir dans l'épouvante de cet incendie. Eh bien, il était devenu un autre homme. Son écriture avait changé, mais pas seulement son écriture, sa personnalité profonde. Comme si le feu avait révélé en lui quelque monstruosité secrète. De sobre, il était devenu abominablement pochard. Pochard et dissimulateur, lui qui était auparavant... Une vraie perle. Oui. On a dû le renvoyer. Ce magnifique collier de perle de Madame Verdurin. J'éprouvais un vague trouble. Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne. J'avais souvent dîné avec eux. C'était les Verdurin, c'était le duc de Guermantes, c'était les Cottard. Je me rappelais les vulgarités sans nombre dont chacun était composé. Le charme apparent des êtres m'échappait, parce que je n'avais pas la faculté de m'arrêter à lui. Comme un chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives. Parce que quand je croyais les regarder, je les radiographiais. Il ne va pas bien, notre pauvre Marcel. Mais malgré son état, il écrit jour et nuit. Ah bon? Ça fera combien de volumes à l'arrivée? 10? Mais non, ma chère, beaucoup pourtant, plus. Ça saute aux yeux. J'ai entendu parler de 15. Ne parlez pas trop fort, ça va le fatiguer. Entre nous, je suis sûre qu'il pourrait être là. Il était près de... Est-ce qu'il est au moins dans sa tête? La fin de quoi? Il paraît que ça vous tombe des mains. Vous voulez dire? Moi, je trouve qu'il exagère. Mais non, voyons, je parle de son livre. Il va mettre le mot, ça saute aux yeux. Vous trouvez? C'est terrible. Ne parlez pas trop fort, ça va le fatiguer. Il n'aura plus aucune raison de vivre. Mais vous vous trompez, madame. Elle était déjà là en juin 14. Alors, elle est d'avant-guerre. Oh, quand j'y pense, ces années préhistoriques, son père, évidemment. C'est qu'elle est du Dauphinville, c'était avant sa radio. Alors, elle est d'avant-guerre. Je vais chez les Lévis. Oh, quand j'y pense, ces années préhistoriques. Les Lévis, quoi? Voyons, il n'y en a pas 36. Demain après-midi, je vais chez les Lévis. Vous voulez dire les Lévis, quoi? C'est désolant. Je vais demander à Bontemps de faire le nécessaire pour demain. On a encore caviardé l'article de Norpois. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il laissait dire qu'on allait limoger personne. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimée. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur et vous m'aimez toujours. Là, ce sont des tuniques égyptiennes. Sombres, droites, qui font très guerre. Vous voyez là ces bijoux? C'est ma dernière trouvaille. Ils sont faits avec des fragments d'obus. Ce qui m'a guidée dans ma réflexion, c'est le respect pour nos chers combattants. Je me suis demandé à quoi ils pouvaient bien rêver au fond de leur tranchée. Et je me suis dit, à plus de coquetterie. Pour la chère absente laissée seule au foyer, mais sans excès, sans luxe de mauvais aloi, non, des petits riens qui effacent par une note lumineuse les tristes heures que nous vivons. Pour un grand couturier, c'est la seule manière de contribuer à l'effort national. C'est un devoir qui nous oblige tous. Je vous fais servir du thé, des petits gâteaux, non? Il va donc falloir nous restreindre sur tout. La nourriture, le gaz, l'électricité... Le Sénat vient de ratifier la loi. Il paraît même que l'adultère va devenir plus cher. L'adultère? Oui.
Oui, ça aussi, nous l'avons fait voter. L'adultère passe de 25 à 100 francs d'amende, avec en prime quelques jours de prison. Franchement, je ne vois pas qui peut souffrir ici de cette nouvelle taxe. Vous l'avez reconnu, finalement. C'est stupide, j'ai son nom sur les lèvres. Aidez-moi. Non. Charlie, vous allez nous jouer quelque chose qui s'accorde avec le crépuscule. Soit. Toujours aucune nouvelle d'Odette ? Non. Je ne sais pas pourquoi on ne la voit plus ici. Elle est peut-être froissée ? Moi, pas. Somme toute, qu'est-ce que je lui ai fait ? C'est chez moi qu'elle a connu ses deux maris. Si elle veut revenir, qu'elle sache que les portes de mon salon lui sont grandes ouvertes. 12 danses allemandes pour piano ? Vous prenez le risque. En hommage à mon ami Charlus. Pourquoi vous le haïssez tant ? Parce qu'il est profondément vertueux. Montand a raison. Décidément, vous êtes inconséquent. C'est vrai. Et c'est pour cette unique raison que je m'engage demain. C'est décidé, je pars au front. Je dois être à la hauteur de ma réputation. Mais vous plaisantez. Dans votre bureau de presse, vous êtes beaucoup plus utile au pays. Je m'ennuie. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Moi aussi, je m'ennuie. Et sans vous, je m'ennuierais bien davantage. Je vous garde en otage. Chut ! Beethoven. Elle arrive ici sans prévenir, comme ça. Oh, elle a vieilli, ou je rêve. Vous rêvez, ma chère. Elle est superbe. Oh, chère amie, quel plaisir de vous voir ici. Je n'y croyais plus. Ma chère amie, mais quel plaisir de vous voir ici. Je n'y croyais plus. Et comment va monsieur le Fourcheville? Et patati, et patata. Oh, j'ai un peu abusé du champagne. Mais c'est tellement bon. Vous savez que je reviens de Tansonville. Oh, j'ai une lettre pour vous. Qu'elle a vécu l'enfer. Elle a du cran, ma Gilberte. C'est bien ce qui manque aux Allemands. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne savent pas se battre, mais il leur manque justement ce qu'on appelle le cran. Et Robert, vous avez des nouvelles ? Mon gendre Saint-Loup connaît maintenant par cœur l'argot de tous les Tommies. Il sait se faire entendre de ceux du plus loin à Dominions. Il a fraternisé avec le général commandant la base comme le plus humble private. Que voulez-vous ? Moi, j'ai un faible pour les Anglais. C'est vrai, je les trouve tellement fair play. Vous rentrez ? Ah non, messieurs, désolé. Eh, hey, il y a du beau monde là-dedans. Ouais, faire la fête toute la nuit. En compagnie. Madame de Forgeville, je suis vraiment désolée. Nous devons fermer les cuisines. Mais le couvre-feu est en avance ? Ah non, il est à l'heure. Ah. Bon, alors, nous sommes chassés. Je vous raccompagne jusqu'à chez vous. Je vais vous faire sortir par derrière. Excusez-moi, mais je préfère marcher seule. Vous n'en voudrez pas ? Mais non. Non, non, je vous comprends très bien. Vous saviez que notre ami Cottard était souffrant ? On dit partout que le professeur est surmené. C'est beaucoup plus inquiétant.
Qu'est-ce que vous faites dans la pénombre? Vous semblez perdu. Monsieur de Foix, ce n'est pas tout de se perdre. L'ennui, c'est qu'on ne se retrouve pas. En vérité, je cherche Monsieur de Charlus. Eh bien, il était là il y a un instant, il dînait en compagnie, mais... Enfin, vous le connaissez, il apparaît, il disparaît. Comme un fantôme. Ou comme un espion. Ah, là, vous êtes méchant. Pas plus qu'avec mon propre père, vous savez qu'il me fait suivre partout. Il s'est mis en tête de surveiller mes fréquentations, ce que je trouve odieux quand on connaît les siennes. Vous n'êtes pas de mon avis? Ce qu'on murmure sur Monsieur de Saint-Loup, on le dit aussi de mon père. Et comme ils sont amis depuis toujours, je me dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Entre nous, tout ceci me sera bien indifférent s'il n'avait le culot de me faire la morale. Mais ne restez pas dans le courant d'air, venez. Je vais vous présenter à mes amis. À moins que la jeunesse ne vous ennuie. Non, non. Qu'est-ce qu'on vous sert? Une liqueur? Un peu de champagne? Non, merci. C'est le grand-duc de Luxembourg. Excusez-moi. Vous étiez la duchesse de Guermantes. J'ai tout fait. J'exige que tout le monde se lève quand ma femme passe. Et la duchesse a répondu, il faut qu'on se lève quand passe ta femme. Cela changera de sa grand-mère, car pour elle, les hommes se couchaient. Le baron était encore là il y a 5 minutes. D'ailleurs, il ne peut pas être bien loin puisqu'il a commandé un armagnac. Quelle jeunesse! Vous savez ce qu'il fête? Le futur mariage de monsieur de Jonzy-Méricourt avec mademoiselle d'Ambresac. C'est lui qui a gagné le gros lot. Il était temps. Vous savez, ces jeunes gens adorent flamber, mais ils n'ont jamais de quoi payer leurs dettes. Alors ils battent la campagne, ils courent les beaux partis, ils se refilent des tuyaux. Tu devrais tenter ta chance avec celle-là. Elle est moche, mais très bien dotée. Vous ne pouvez pas imaginer les horreurs que j'entends. Des rapaces sans foi ni loi. Et drôles en même temps. Antoine, tu nous oublies, on meurt de soif. J'arrive tout de suite, monsieur le duc. Accompagnez-moi dans les cuisines, monsieur de Charlus. Adore bavarder avec les apprentis. À mon avis, on va le trouver en grande forme. Monsieur de Foix, il vous manque quelque chose? Il nous manque toujours quelque chose, mais enfin, tout va bien. Comme tu sembles débordé, je fais le service à ta place. Vous êtes venu vous réchauffer dans la cuisine, c'est une bonne idée. Tiens, Gaspard, serre une coupe à monsieur. Venez voir à quoi on joue. Les drapeaux, c'est les zones de bataille. Merci. C'est juste pour tremper mes lèvres. On est en train d'étudier tous les mouvements de l'armée allemande. Mais pour Antoine, on ne fait que des conneries. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que ce sont les poches qui ont chaque fois l'initiative. Il reste du caviar, si vous voulez. Non, merci. Je cherche toujours Monsieur Charlus. Ah bah, vous l'avez raté. Quand il m'a vu ici, il a fait immédiatement demi-tour, comme s'il avait vu le diable. Je suis pourtant rien d'un diable, hein, le vrai Gaspard. Non, Monsieur le Prince. Les vrais diables... Ils sont là. Asseyez-vous. Auriez-vous lu cette chose? Lisez-la moi, voulez-vous? Les adorateurs de l'Allemagne font salon à Paris, dînent et festoient comme si la guerre n'existait pas. Pire, célèbrent nos ennemis et souhaitent haut et fort l'écrasement de la France. Je me disais à l'instant que j'entends de plus en plus de gens qui ont l'air très heureux, toute la journée, qui prennent d'excellents cocktails.
et qui déclarent qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout de la guerre, que leur cœur n'aura pas la force, et qu'ils mourront tout d'un coup. Et le plus extraordinaire, c'est que cela arrive en effet. J'enregistre un nombre étonnant de ces étranges morts prématurées. Vous prenez quelque chose, un petit armagnac? Allez chaud. En plein été. Bon, c'est de la folie. Chacun ses petites folies. Oui. Comment va Odette? Toujours folle des Anglais. Elle devrait bien s'entendre avec mon frère. C'est tout de même insensé. On ne cesse de parler de l'extraordinaire manque de psychologie qui caractérise la race teutonne. Les Cotards, les Cambremers, entre nous. Croyez-vous que jusqu'ici, ils avaient un grand souci de la psychologie? Norpois est plus fin, je le reconnais. Bien qu'il n'ait cessé de se tromper depuis le début. Mais ces articles de journaux destinés à exciter l'enthousiasme universel, vous les lisez? Parfois, cela m'arrive. Brichot, qui reproche à la France de n'être pas assez militariste, reproche en même temps à l'Allemagne les excès de son militarisme. Il n'a pas de mots assez virulents pour dénoncer le culte de la force chez les Allemands. Un dragon sur son cheval, moi, je trouve ça très beau. Pas vous? Mais toute cette presse patriotique manque de talent. La voilà la vraie raison de tant d'inepties. On n'écrit plus colossal qu'avec un K, mais au fond, ce devant quoi on s'agenouille, c'est bien du colossal. À propos de Brichot, avez-vous vu Morel? On me dit qu'il désire me revoir. Il n'a qu'à faire le premier pas. Je suis le plus vieux. Et ce n'est pas à moi à commencer. Il était tout à l'heure chez Madame Verdurin. Il nous a joué les danses allemandes et tout le monde n'y a vu que du feu. C'est un garçon fou des femmes et qui ne pense qu'à cela. Voilà, la fin de l'alerte. Ça ne vous fait pas penser à du Wagner, un appel de Valkyrie dans la nuit? C'est dans le fond la seule musique allemande autorisée depuis la guerre. Vous ne savez peut-être pas, mon cher ami, que voilà bientôt 2 ans que je suis à Tonsonville. Je suis arrivée en même temps que les Allemands. Tout le monde avait voulu m'empêcher de partir. On me traitait de folle. Mais que voulez-vous? Je n'ai qu'une seule qualité, je ne suis pas lâche. Ou si vous vous aimez mieux, je suis fidèle. Quand j'ai su mon cher Tansonville menacé, je n'ai pas voulu que notre vieux régisseur restât seul à le défendre. Et c'est du reste grâce à cette résolution que j'ai pu sauver à peu près le château. Quand tous les autres, dont le voisinage abandonné par leurs propriétaires affolés, ont presque tous été détruits de fond en comble. Et non seulement sauver le château, mais les précieuses collections auxquelles mon cher papa tenait tant. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que cette guerre, mon cher ami, et de l'importance qui prend une route, un pont, une hauteur. Que de fois j'ai pensé à vous, aux promenades, grâce à vous rendues délicieuses, que nous faisions ensemble dans tout ce pays, aujourd'hui ravagé. Alors que d'immenses combats se livraient pour la possession d'un tel chemin, d'un tel coteau que vous aimiez, nous sommes allés si souvent ensemble. Eh bien, ces endroits sont à jamais entrés dans la gloire, au même titre qu'Austerlitz ou Valmy. La bataille de mes églises a duré plus de 8 mois. Les Allemands y ont perdu plus de 600 000 hommes. Ils ont détruit mes églises, mais ils ne l'ont pas pris. Le petit chemin que vous aimiez tant, que nous appelions le raidillon aux aubépines, et où vous prétendez que vous êtes tombé dans votre enfance amoureux de moi, alors que je vous assure, en toute vérité, que c'était moi qui étais amoureuse de vous. J'ai reçu votre mot.
C'est grave à ce point? Je pense que c'est la fin. Cette nuit, il délirait. Et puis, à un moment, il a retrouvé un peu de conscience. Et il m'a dit qu'il lui fallait se préparer. Lui qui avait assisté tant de malades à l'agonie, c'était son tour. Il parlait de ses papiers qu'il voulait mettre en ordre. Et puis il m'a dit qu'il aurait bien aimé vous voir une dernière fois. Que vous aviez toujours été une amie fidèle. Je ne sais pas comment vous remercier d'être venue si vite. C'est Madame de Forcheville. Odette. Je vous laisse, mettez-vous à l'aise. Il fait si chaud. Merci d'être là. Odette. Venez. Venez plus près. Vous savez ce qui va me manquer? Ce sont vos caresses. Je vous en prie, une dernière fois. Là, le coffret. Ouvrez. C'est pour vous. Si, si. Faites-moi ce plaisir. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. On ne sait jamais où est le pire. Je me disais tous les jours. Le pire qui pourra m'arriver, c'est quand il s'en ira. Quand je resterai seule. Eh bien non. Le pire, c'est quand j'ai découvert ses lettres. Quand j'ai compris qu'il me trompait depuis des années avec cette crue. Ne regrettez pas d'être si malheureuse. Car cela prouve que vous l'aimez toujours. Si vous commenciez à être moins malheureuse, c'est que vous oublieriez. Que vous aimeriez moins. Et puis ne croyez pas non plus qu'il ne vous aimait pas. Du moment qu'il vous trompait, qu'il prenait tant de peine pour que vous ne le sachiez pas, c'est qu'il avait peur de vous faire de la peine. C'est qu'il vous respectait et vous préférait. Ma boucle d'oreille. Entre nous, on peut... J'ai perdu ma boucle d'oreille. Sa passion secrète, c'était l'étude approfondie des locutions. Vous savez ce que les jeunes médecins disaient de chaise, la beauté du il était le seul maître auquel ils confieraient leur peau. Toutes ses maîtresses, elle lui confiait sa peau. Quand je pense que je lui dois un estomac tout neuf. Au fond, c'était un homme timide qui a décidé un jour de prendre le glacial. Je suis content de te voir. Moi aussi. Je me sens déjà mieux. Mais j'éprouve de la gêne à savoir que tu repars si vite. Tu sais, à Paris, on sent si peu la guerre. Et puis, je ne te reconnais pas.
Tu te souviens du jour où tu m'as dit « Ceux qui ne se battent pas, quelque raison qu'ils donnent, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être tués. C'est par peur. » Et tu as ajouté que si tu ne reprenais pas du service, c'était tout bonnement par peur. Je crois que ce jour-là, tu avais surtout envie de briller. Je me souviens. C'est quand Bloch avait appris son incorporation. Je leur ai dit que je ne serais bon à rien. Je suis myope comme une taupe. Ça vous fait rire. Eh, vous savez que vous ne risquez rien. Vous paraderez dans les états-majors. Alors que moi, simple deuxième classe, je vais me faire trouer la peau pour Guillaume. Et ça, je n'en ai aucune envie. Il paraît que l'empereur Guillaume est très malade. Oui, eh bien, tu pourrais dire Guillaume tout court. Oh. Ah, mais c'est ça. Tu as peur. Tu te mets déjà à plat ventre devant lui. Ça nous fera des beaux soldats sur la frontière. Il léchant les bottes des boches. Vous savez ce que vous êtes. Vous êtes des galonnés qui savaient parader dans un carrousel. Un point, c'est tout. Viens. Et en avons-nous pour longtemps? Comment? Non. Non, je crois à une guerre très courte. Relis le décret du 28 octobre 1913 sur la conduite des grandes unités. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, ça et ça. Un patchwork petit. Et tu verras que le remplacement des réserves n'est pas organisé, ni même prévu d'ailleurs. Ce qu'on n'eût pas manqué de faire si la guerre devait être longue. Voilà. Merci. Moi, si je m'engage dans le fond, ce sera par idéal. Et sur ce point, je suis d'accord avec mon oncle Charlus. Un homme ne doit rien avoir d'efféminé. Merci. Ce qui me plaît dans l'idée de partir, c'est de me retrouver avec des jeunes hommes courageux et loin des femmes. Tu comprends? Moi, je crois à la noblesse intellectuelle et morale des amitiés viriles. Je rêverais d'exposer ma vie pour sauver mon ordonnance. Je rêverais de mourir en inspirant un amour fanatique à mes hommes. Tu sais, Philippe d'Orléans, dont on connaît les goûts pour les jeunes gens et les manières efféminées, on l'appelait monsieur. Oui, je connais la légende, merci. Il a été très bon soldat pendant la guerre de Hollande, c'est ça? D'ailleurs, c'est une exception, et ça ne m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, ce que tu me racontes ne m'intéresse absolument pas, mon cher Marcel. Tu te souviens de l'ancien liftier de l'hôtel de Balbec? Il s'engage, il m'a écrit qu'il voulait rentrer dans l'aviation. Je vais voir ce que je peux faire pour lui. Vous avez fait bon voyage? Non. Et comment va monsieur de Saint-Loup? Il ne viendra pas prendre un peu l'air de la mer? Je l'ignore. Dites-moi, mon ami, cela reste bien sûr entre nous, mais j'ai entendu dire que monsieur de Saint-Loup avait vis-à-vis des jeunes gens certains égards particuliers. Moi, en tout cas, monsieur, je ne marche pas dans ce fourbi-là. Et puis, même si c'était la vérité, je ne vous le dirais pas. J'ai trop de respect pour les clients de l'hôtel. Ce matin, quand je t'ai téléphoné, Françoise m'a parlé avec précipitation d'un garçon boucher qu'elle aimait beaucoup, qu'elle voulait faire réformer. Un garçon très timide. Elle fait toutes les boucheries de Paris. Mais il paraît qu'il a changé de boucherie. Alors, elle veut le sauver. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne faisais réformer personne. Mais tu n'as rien mangé. Tu vas t'affaiblir. On a besoin de bras. Certains jours, je n'ai même pas la force de tenir ma plume. Tu m'imagines avec un fusil? Non. Ça, certainement pas. Tu sais ce que je me dis? Qu'il est bien difficile de bâtir une épopée sur des phrases comme « on les aura » ou « ils ne passeront pas ». Ça me fait aussi mal aux dents que poilues. Je trouve ça d'une telle affectation, mais c'est d'une telle vulgarité. C'est comme ces gens qui trouvent spirituel de dire de la coco pour de la cocaïne. En revanche, si tu voyais les gens du peuple, les ouvriers, les
petits commerçants qui ne se doutaient pas qu'ils recelaient en eux tant d'héroïsme. Qui seraient morts dans leur lit sans l'avoir soupçonné. Si tu les voyais courir sous les balles, pour secourir un camarade ou pour aller chercher un chef blessé, et quand ils sont touchés eux-mêmes et qu'ils vont mourir, ils sourient. Et tu sais ce qui les fait sourire? C'est que le médecin-chef leur annonce que la tranchée a été reprise aux Allemands. Moi, je dis que le peuple, c'est ce qu'il y a de mieux. Cela dit, tout le monde est bien. Regarde, regarde. Le petit Vaugoubert, tu le connais? Fils d'ambassadeur. 7 fois blessé avant d'être tué. À chaque fois qu'il revenait d'une expédition sans avoir écopé, il avait l'air de s'excuser et de dire que c'était pas de sa faute. La viande est bonne. Le croissant continue toujours de soulager vos migraines. Oh, oui. D'ailleurs, tous les matins, devant monter au lait, j'ai une pensée pour ce pauvre Cottard. Ça m'attriste. Vous saviez qu'il a dû me fabriquer une ordonnance de croissant, en bonne et due forme? Nous vivons un monde déréglé, mon ami. Se faire fabriquer un croissant est devenu presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d'un général. En fait, pendant que j'y pense, j'ai une bonne amie qui m'a dit qu'elle vous avait croisé avec Charlus hier. Vous êtes enfin réconciliés? Nous sommes tombés nez à nez dans la rue. J'imagine que ça a dû vous faire un choc. Approchez, c'est la fin de la semaine, mais on se dépêche, vous détachez les rafles. C'est la solution au problème, le détachant miracle. Bon, un bouteille pour le prix 2, c'est une affaire, on en profite à vous faire. Qu'est-ce que tu regardes? L'Hercule unijambiste ou mon jeune ami René? Mais qui est ce René? Un embusqué de ton acabit. Embusqué? Oh ben moi, à ta place, je ne cracherai pas dessus. Hein. Je te promets qu'il est très imaginatif, surtout quand il s'agit de ce qui t'intéresse. Je peux te le présenter si tu veux, ça tombe bien, il est dans le besoin. En fait, nous nous sommes trouvés des goûts communs. Nous n'avons, lui et moi, aucune envie de nous retrouver dans les tranchées. Je sais que tu peux comprendre, t'as toujours été du côté des faibles. René et moi, nous sommes faibles. Tu te souviens, tu disais que tu ne lisais jamais les chroniques judiciaires pour ne pas souffrir dans ta chair des angoisses du condamné à mort. Je ne lis pas les chroniques judiciaires, mais il m'arrive de lire tes papiers immondes. Je fais ça par désœuvrement, je te promets. Charlie. Charlie quoi? Charlie, qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de passer la soirée avec toi. La soirée et la nuit? Désolé, j'ai mieux à faire. René, tu viens? Charlie, prends garde. Je me vengerai. Mon Dieu, mais j'oubliais. C'est l'heure. Le septuor de Vinteuil. Thank you.
Bonsoir. Vous ici. J'allais dire la même chose. Oh, mais j'ai mes raisons. Vous aussi, sans doute. Cet homme, vous l'avez vu? C'était Robert de Saint-Loup ou je me trompe? Pourquoi pas? Ça vous fait rire? Vous saviez sans doute qu'il a été plus ou moins évoqué à propos d'une affaire d'espionnage? Sans aucun fondement. Je sais, je sais. De toute façon, cet endroit est parfaitement convenable, du moins de ce point de vue. Même mon père l'a souvent fréquenté dans le passé. Dois-je comprendre que vous êtes en train d'espionner votre père? Il est là? Il est mort. Il est mort là. Je vous jure que ça donne pas envie de monter au fond. Que des gueules cassées. Le dernier que j'ai soigné, je peux pas vous décrire. Plus de mâchoire, plus de nez, plus de bouche, plus rien. Un grand trou. Ça puait, je me dis pas. Et pendant ce temps-là, Geoffrey couche avec les femmes des ministres. Il n'y reviendra plus, des Zeppelins. Ils l'ont dit dans les journaux. Mais qu'est-ce que t'en sais? Moi, j'ai déjà abattu 5 boches en plein vol. Et je peux te dire que les journaux sont payés pour raconter n'importe quoi. Excusez-moi. Je voudrais avoir une chambre. Et je ne sais pas à qui m'adresser. Ça, faut voir avec le patron. Il est parti acheter des chaînes. Je crois que la 43 s'est libérée. C'est pour la nuit? Non, non. Juste quelques heures. Le temps de me reposer. J'étais dehors quand l'alerte a commencé. Ouais. C'est tombé du côté de la Villette. J'ai très soif. J'aimerais bien un petit cassis, si c'est possible. On va vous faire porter ça? Vous voulez pas autre chose? Ici, c'est pas le choix qui manque. Je vous accompagne. C'est qui, lui? Est-ce qu'il y a parmi vous un aviateur canadien? Français. Non, ça ne va pas du tout. Le client insiste sur l'accent. Maurice? Mais non, monsieur le baron, je vous jure, c'est un des plus dangereux apaches de Belleville. Ah bon? Ça m'étonne. Je peux vous assurer qu'il a été condamné plusieurs fois pour vol et cambriolage de villa.
a fait de la prison. Il est vraiment dangereux. Il est peut-être dangereux, Jupien, mais moi, je ne le sens pas. Quand il m'appelle Crapule, on dirait qu'il récite une leçon. Oh non, personne ne lui a rien appris. Je le trouve bien trop gentil, et voilà. Je ne viens pas ici pour ça. Gentil? Il a même été compromis dans le meurtre d'une concierge. C'est déjà plus intéressant. Demain, si vous voulez, je vous ferai connaître l'homme des abattoirs. Un colosse qui vous tuerait un bœuf d'une pichenette. Celui-là, je vous garantis qu'il ne sait ni lire ni écrire. Monsieur Eugène, qui est député, l'a essayé avant-hier. Il en a parlé avec enthousiasme à monsieur Lebrun. Lebrun est un nom d'emprunt. En vérité, il s'agit du grand-duc de Russie. Ne vous fatiguez pas, Jupien. Je veux des garçons qui ressemblent à Maurice. C'est cette dégaine-là qui me plaît, mais avec plus d'authenticité. Débrouillez-vous. Mon chauffeur m'attend en bas. Bien sûr, il vous attend. Vous ne voulez pas attendre la fin de l'alerte? Je vous le dis, hein. Il n'a pas hésité un instant. Il a préféré se faire tuer. Et s'est fait tuer pour tâcher de sauver son ordonnance? Ah ben, y a tout de même du beau monde chez les riches. Moi, je me ferais tuer avec plaisir pour un type comme ça. Ah oui, ce sont de chic types, des malheureux comme nous encore. Ça n'a pas grand-chose à perdre, mais un monsieur qui a des tas de larbins, qui peut aller prendre son apéro tous les jours à 6 heures, ça, c'est vraiment chouette. C'est simple, le bon Dieu ne devrait pas permettre que des riches comme ça, ça meure. D'abord, elles sont trop utiles à l'ouvrier. Rien qu'à cause d'une mort comme ça, faudrait tuer tous les boches jusqu'au dernier. Comment, c'est déjà fini? Ça n'a pas été long? Ah ouais. C'est pas long pour toi, qui allais prendre l'air, mais si t'étais obligé de taper à tour de bras comme moi par cette chaleur, si c'était pas les 100 francs qu'il te donne, puis c'est un homme qui cause bien, on sent qu'il a de l'inspection. Je n'en peux plus. Non mais quel fou celui-là. Dis donc, le vieillard de la 27. Et personne ne trouve grâce à ses yeux. Les apaches l'ennuient, l'armée l'énerve. Et maintenant, il va mutiler. Mais pas un blessé de guerre, il aura hors de ça. Seulement, un mutilé qui n'est pas un blessé de guerre, ça n'existe pas. Non. Levez-vous. Merci. C'est dans ce fauteuil qu'est mort le prince de Foix. Il ne faut pas s'asseoir ici. Il faut mettre les roses sur le fauteuil. Il faut mettre les roses sur le fauteuil. Vous ici, cachez-vous. Il faut pas que le baron vous voit. Venez, venez, venez. Cachez-vous, cachez-vous. Debout. Chut, le baron arrive. Allez. Toi, c'est dégoûtant. Je t'ai aperçu devant l'Olympia avec deux cartons. C'est pour te faire donner du pèse. Et voilà comment tu me trompes. Non, je ne vous trompe pas, non. Il est gentil de dire ça comme il le dit bien. On dirait que c'est la vérité. Après tout, qu'est-ce que ça fait que ce soit la vérité ou non, puisqu'il arrive à me le faire croire. Tu penseras à moi dans les tranchées. Ça n'est pas trop dur. Dame, il y a des jours, quand les grenades tombent trop près, mais il faut bien faire comme les autres. Et vous pouvez être sûr et certain qu'on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, si on savait seulement jusqu'à quel bout. Mais il me semble que je ne connais pas ce charmant, ce délicieux jeune homme. Monsieur, je suis charmé. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Merci, monsieur. Je vais envoyer ça à mes vieux et je garderai aussi un peu pour mon frangin qui est sur le front. Merci. Quelle horreur. Comme il est simple. Jamais on dirait un baron. Il paraît qu'il a 1 million à manger par jour.
Je ne voudrais pas que vous me jugiez mal. Hmm? Gardez-moi la même chambre pour demain. 11h du matin. Bien, monsieur René. Maurice, Louis, on vous attend à la 23. Regardez ce que j'ai trouvé à la 35. Louis, c'est quoi exactement? Ça, c'est la croix de guerre. Merci, je l'ai bien méritée. Elle était où? La 35. Je crois savoir à qui elle appartient. Allez, dépêchez-vous. C'est un homme très haut placé. Il ne faut surtout pas qu'il s'impatiente. Je vous raccompagne. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Non. Ah non, je m'en vais. Non, jamais j'aurais cru ça. Je crois que je ne reviendrai pas. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais... Adieu. Moi, je n'emporte qu'une seule chose, c'est la photographie de ma mère. Vous avez raison. On n'a qu'une seule mère. Votre petit dernier avait les oreillons. Eh bien, c'est très simple. Depuis toutes ces alertes, j'ai retrouvé le chemin d'après. Le délire à la bougie, je ferais mieux de tricoter pour nos soldats. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Si vous voulez, nous pouvons terminer chez moi notre partie d'échecs. Jette-moi, mon vieux. Vous savez, si ça nous tombe dessus, ça fera comme à Pompéi. On nous retrouvera dans 50 ans. Vous imaginez dans quel état? C'est pas possible, Robert. Encore quelques alertes et tu es complètement alcoolique. Dès que j'entends Eh bien, Françoise, vous avez l'air tout chaviré. Je vous ai cru mort. Pas vrai qu'on l'a cru mort? La question a été soulevée. Il paraît que cette fois, c'est tombé pas très loin. Et vous savez qui est venu nous chercher à la cave tout à l'heure? Monsieur de Saint-Loup. Ah, celui-là. Je le retiens. Il m'a commandé comme si j'étais son sergent, pas vrai? Il était sûr d'avoir oublié ce matin sa médaille de la guerre. Sa croix de guerre. Oh. Et puis d'ailleurs, on peut se demander qui la lui a donnée. Parce qu'à mon avis, les gens riches dans son genre, ça doit se tourner les pouces pendant que les autres se font tuer. Et puis il faut quand même être culotté pour nous tenir des discours sur les boches qui se battent comme des braves, à se demander de quel bord il est. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'il n'est pas resté avec vous à la cave. Ce que j'aimerais, c'est écouter cette sonate jouée par Morel. Vous me le présenterez un jour? Je vous fais réchauffer quelque chose? Non, merci. Vous pouvez aller vous coucher. Vous savez ce qu'il m'a dit pendant qu'on était à la cave? Que les boches attendaient que la poire soit mûre. Mais c'est vrai, Françoise. Ce jour-là, il n'y aura pas de pitié. Vierge Marie, ça ne leur suffit pas d'avoir conquéri la Belgique. Mmh. Elle a assez souffert au moment de son envahissement. Et la croix de guerre, au fait? Vous êtes vraiment monté la chercher? Oui. Au péril de notre vie. Et tout ça pour rien. Même pas un pourboire. Charles est passé. Déposez un mot tout à l'heure. Mmh, merci. Bonne nuit. Si vous voulez bien me suivre. Voilà, c'est ici. Qui vous a donné mon adresse? Odette. Elle se fait du souci pour vous. Vous plaisantez. Odette ne se fait du souci pour personne.
Alors disons que je voulais vous parler. C'est pas très grand, pas très confortable. Asseyez-vous. C'est ce qu'on appelle une planque. Il paraît que les gendarmes me recherchent. Je suis fiché, comme déserteur. Je voudrais bien savoir qui m'a dénoncé. Vous avez peut-être une idée. Je voudrais pas mourir idiot le jour où je me retrouverai au peloton d'exécution. Je ne vais pas rester longtemps. En tout cas, ce n'est pas Charlus. Et vous le savez bien. Il est profondément incapable de ce geste. J'ai pas imaginé une seconde. Alors ? C'est peut-être le moment de liquider cette querelle. Il est vieux. Il peut mourir bientôt. Il est temps de faire la paix. C'est d'autant plus absurde qu'il continue de vous aimer, en dépit de tout. Et puis je suis sûr qu'il est toujours prêt à vous aider. Je crains que vous ne soyez venu pour rien. Donnez-moi une seule bonne raison et je m'en irai. Est-ce par paresse, par méchanceté, par vertu ? Par coquetterie ? Rien de tout cela. Moi, la vertu, je m'en fous. La méchanceté, au contraire, je commence à le plaindre. La coquetterie serait inutile. Et la paresse ? Si vous saviez comme je tourne en rond. Non, la vérité. Et je suis fou de vous le dire. La vérité, c'est que j'ai peur. Oui, j'ai peur de lui. Je ne comprends pas. Vous savez qu'il est très bon. Oui, je sais. Je sais tout cela. La délicatesse, la droiture, je connais ça par cœur. Mais voilà, c'est honteux à dire. J'ai peur. Je vous en prie, partez, laissez-moi tranquille. Chaque jour de combat acharné contre l'envahisseur est un jour de légende. Dans les sombres tranchées, sur les lignes de feu, quand il s'agit de vaincre, les noms des plus hauts chefs se mêlent à ceux des plus humbles soldats. Le marquis Robert de Saint-Loup est mort au champ d'honneur. Le don de sa vie eût déjà suffi à le grandir. Mais il est mort en protégeant la retraite de ses hommes. Et cela fait de lui un héros. Donc, mon amie la marquise de Villeparisis, je la croyais à Paris. Ma chère amie, quelle surprise, je vous croyais à Paris. Vous êtes le fils du directeur au ministère, c'est bien cela. Je vous présente Robert de Saint-Loup. Et mon neveu, le baron de Guermantes. Oh, mon Dieu, où avais-je la tête ?
voilà que je t'appelle le baron de Guermantes. Je vous présente le baron de Charlus. Mais qu'avez-vous fait de votre journée? Oh, il faut absolument que je vous fasse connaître le nouveau confiseur qui vient d'ouvrir ses portes. Je fais quelques pas avec vous. Mais dites-moi, Madame de Villeparisis a bien dit de votre oncle qu'il était un Guermantes? Oui, certainement. C'est pas la maître de Guermantes. Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant? Absolument. Mon oncle, qui est on ne peut plus héraldique, vous dirait que notre cri de guerre, qui devint ensuite Passavant, était tout d'abord Combrésie. Mon oncle Charlus est le frère du possesseur actuel du château. Mais si tout cela vous intéresse, je peux vous arranger un rendez-vous avec lui. Après souper, c'est une heure qu'il affectionne tout particulièrement. Mon oncle est un oiseau de nuit. Mais c'est Robert de Saint-Loup, je me trompe? Où ça? Là? Je ne vois rien. Viens. Pauvre dame. Qu'est-ce qu'elle a dû pleurer après la mort de son garçon? Et elle ne l'a même pas revue. Remarquez, valait peut-être mieux. Il paraît qu'il avait le nez coupé en deux. Il était tout dévisagé. Regardez qui arrive. Il ne manque pas d'air, celui-là. Domine libera nomen de alabis en quia lingua dolosa. Ah, me voilà mon violoniste favori. Il a une mine d'enterrement. La vie au colo meos quimonte et on de verniette. Obsilium même. Où étiez-vous passé? Je me faisais un sang d'encre. Oh, j'arrive après la bataille. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis plus tout seul. J'étais attendu à la gare. Que voulez-vous? Je commence à être un peu connu. Ce soir, il y a tant de gens qui vont boire du petit lait. Monsieur Morel, votre présence ici... Elle sera de courte durée, madame. Merci d'être venu. Nous n'allons pas laisser faire ça, nous ne manquons pas de relations. Mais c'est pas possible, vous avez vu, il faut faire quelque chose. Odette! Où est Odette? Elle est au mieux avec le général. Odette! Je prendrai bien un petit remontant. Thank you.
Venez, Oriane, venez. La nouvelle maison de santé dans laquelle je me retirais alors ne me guérit pas plus que la première. La guerre était finie. Dans le trajet en chemin de fer que je fis pour rentrer à Paris, la pensée de mon absence de dons littéraires, que j'avais à peu près identifiée en lisant quelques pages du journal des Goncourt, la pensée de la vanité, du mensonge de la littérature, me frappa de nouveau, et avec une force plus lamentable que jamais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, je vous remercie. Monsieur le baron souhaiterait vous parler. Monsieur de Charlus, comment vous portez-vous ? Beaucoup mieux, il ne faut pas lui parler de ses maladies. Vous êtes toujours là, à la bonne heure, parce que dans ma famille... Ah, ça... Dans ma famille... Dans sa famille, c'est l'hécatombe. Les journaux. Mmh. Monsieur le baron. Antoine de Mouchy, mort. Charles Swann, mort. Adalbert de Montmorency, mort. Boson de Talleyrand... Mort. Sosthène de Dudoville. Mort. Mais monsieur le baron, c'est madame de Sainte-Verte. Vous la détestez. Madame de Sainte-Verte. Je ne suis pas sourd, Jupien. Eh bien, oui, comme ça, j'ai au moins fait quelqu'un d'heureux pour quelques minutes. Il croit que je perds la boule, mais c'est faux. Tenez. Vous voyez cette réclame? Il y avait exactement la même à Avranches. Moi, à Balbec, quand je vous ai rencontré la première fois, vous vous souvenez?
Je crois que votre grand-mère s'impatiente. Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère. Hein, petite fripouille? Comment, monsieur? Je l'adore. Ah, oui. Monsieur, vous êtes encore jeune. Vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendu. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd. Et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur votre costume de bain. Marcel, je t'avais bien dit que tu allais avoir froid. Regarde, tu as les lèvres toutes violettes. Oh, tu grelottes. Excusez-moi, monsieur, pendant l'exécution du concert, la princesse de Guermantes a défendu qu'on ouvre les portes. Je vais vous faire patienter dans la bibliothèque. Je vais vous apporter un assortiment de petits fours et du thé. Merci. Thé? Oui. Du lait? Pas de lait, s'il vous plaît. Sucre? Un.
n'eût dit que les signes qui devaient ce jour-là me tirer de mon découragement et me rendre la foi dans les lettres avaient à cœur de se multiplier. Je me disais que si le souvenir, grâce à l'oubli, n'a plus jeté aucun chaînon entre lui et la minute présente, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau. Précisément parce que c'est un air qu'on a respiré autrefois. Cet air plus pur que les poètes ont vainement essayé de faire régner dans le paradis. Car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine. Puisqu'à ce moment-là, l'être que j'avais été était un être extratemporel. Cet être-là n'était jamais qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent. Je n'avais pu connaître le plaisir à Balbec, pas plus que celui de vivre avec Albertine, lequel ne m'avait été perceptible qu'après coup. Il fallait tâcher d'interpréter les sensations comme les signes d'autant de lois et d'idées, en essayant de penser, c'est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j'avais senti, de le convertir en un équivalent spirituel. Or, ce moyen qui me paraissait le seul, qu'était-ce autre chose que faire une œuvre d'art? Mais madame, qu'a donc M. Marcel à pleurer ainsi? Mais il ne sait pas lui-même, Françoise, il est énervé. Préparez-moi vite le grand lit. Je vais dormir ici et montez-vous coucher. Voilà mon petit serin qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui. Eh bien, puisque tu n'as pas sommeil, ni moi non plus, ne restons pas là à nous énerver. Faisons quelque chose. Est-ce que tu aurais moins de plaisir si je sortais déjà les livres que ta grand-mère doit te donner pour ta fête? Pense bien. Tu ne seras pas déçu de ne rien avoir demain. Nous revenions de la promenade, au clair de lune, qui argentait faiblement les sentiers dans la campagne assombrie. C'était une soirée d'automne tiède et doucement voilée. Nous remarquions la sonorité de l'air dans cette saison et ce je ne sais quoi de mystérieux qui règne alors dans la nature. Le premier morceau est terminé. Puis-je vous accompagner dans les salons? Merci. De la Raspelière qui nous a tenus sous le charme en nous expliquant que cette Madame de Saint-Loup qui a cette jolie fille pas du tout née de votre cousine, la Duchesse de Montmorency. Je ne la vois plus. Nous nous sommes brouillés il y a quelque temps. Quel dommage, une si vieille amie. Il faudra lui rendre visite afin de nous réconcilier. À nos âges, on ne peut pas rester brouillés éternellement. Quelle joie de vous voir, vous, mon plus vieil ami. Cela me rappelle la première année où je suis allé chez la princesse de Guermantes. Je croyais ne pas être invité et qu'on allait me mettre à la porte. Vous aviez une robe toute rouge et des souliers rouges. Mon Dieu, que c'est vieux tout cela. C'était des robes qui se portaient dans ce temps-là.
Cela viendra, peut-être toutes les modes reviennent en robe, en musique, en peinture. En tout cas, vous, mon ami, vous ne changez pas, pas un seul cheveu blanc. Vous faites toujours aussi jeune. J'ai cru apercevoir Morel tout à l'heure. Oh, ça m'étonnerait. Il serait venu me saluer. Mais il doit vraiment venir ? Bien sûr, quelle question. Morel est désormais un homme considérable et respecté. Et puis la princesse l'a toujours tenu en grande affection. Qu'est-ce donc qui vous chagrine ? Rien, rien. Cet homme que je n'ai pas du tout reconnu. On m'a dit que c'était monsieur d'Argencourt. Enfin, ce qu'il en reste. Ah, je vois, vous voulez parler du procès. Eh bien oui, Charlus et d'Argencourt ont été condamnés. Les juges et les avocats sont tous inclinés devant la haute moralité de notre ami Morel. Mais ne vous inquiétez pas, si d'Argencourt se retrouve tout à l'heure nez à nez avec Morel, je suis persuadée qu'il le saluera comme une vieille connaissance, si vieille, qu'il ne s'en souvient plus. Si vous croisez Gilberte, ne vous attardez pas avec elle. C'est une petite horreur qui n'a jamais aimé son mari. Elle a aimé la situation, le nom, être ma nièce, sortir de sa fange. Après quoi, elle n'a eu d'autre idée que d'y rentrer. Ça m'a toujours affectée à cause du pauvre Robert. Parce qu'il avait beau ne pas être un aigle, il s'en apercevait très bien. Et d'un tas de choses. Je n'ai pas la preuve positive qu'elle le trompait. Il y a eu un tas d'histoires. C'est pour cela que Robert s'est engagé. La guerre lui est apparue comme une délivrance de ses chagrins de famille. Si vous voulez, ma pensée, il n'a pas été tué. Il s'est fait tuer. Mon cher ami. Eh bien, mon vieux, voilà qui me fait plaisir. Tu as l'air très en forme pour un mourant. Ah, laisse-moi te présenter, Madame de Farcy. Enchantée. Enchantée. Qui est américaine. Pleine d'esprit et d'une élégance. Oh, stop it, Jack. Please, vous allez me faire rougir. Jack ? Oui, j'ai changé de nom. Tu ne savais pas ? Je m'appelle Jacques Durosier. Et pourquoi tu n'as pas gardé Albert ? Albert Bloch, c'est du passé. Je vois que tu ne lis pas les journaux. J'ai écrit un très bon article dans le Figaro qui me vaut tout un courrier d'admirateurs, d'ailleurs. Mais dis-moi, toi qui connais tout le monde ici, tu pourrais me présenter au prince de Guermantes ? Oh, c'est vrai ? Vous connaissez tout le monde ? Oui, un vrai carnet mondain, lui tout seul. Oh, oh, beautiful ! C'est tout à fait inexact. Permettez. Prince ? Excusez-moi. Prince, permettez que je vous présente mon ami Albert. Jacques. Jacques Durosier. Ah oui, Jacques Durosier. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre regretté père, Salomon Bloch. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Excusez-moi, je suis... un peu, comment dire, un peu neuf dans cette society. Et mon mari, le comte de Farcy, est parent des Forcheville. Et c'est une très grande famille, n'est-ce pas? Oui, parce que moi, j'ai noté que Madame de Saint-Loup était une parente du prince de Guermantes par les Forcheville. Ah, non, non, là, vous avez mal noté. C'est une grosse erreur. Are you sure? Terrible, parce que je l'ai dit à une dame qui l'a répété à un monsieur. Mais tout ça n'est la pas duchesse. Bien grave. La duchesse. Vous me reconnaissez ? Cambremer. Monsieur le marquis de Cambremer. Excusez-moi, mais bien sûr que je vous reconnais. On m'a dit que vous étiez souffrant. Vous avez toujours vos étouffements. Mais vous voyez, ça n'empêche pas la longévité. C'est comme cette grippe qui fait des ravages. Il paraît qu'elle atteint les personnes encore jeunes, plutôt. Ça nous met à l'abri. Ça nous laisse encore un peu de temps devant nous.
n'est-ce pas? Montesquieu, excusez-moi. Mesdames, messieurs, le concert va commencer. Dame, vous savez que je n'ai plus 25 ans. Je joue mal. Non. Continuez. Ce que j'aimerais, c'est écouter cette sonate jouée par Morel. Vous me le présenterez un jour? Et puis la musique de Vinteuil est tellement monotone. Ces mêmes phrases qui reviennent. Ça me donne envie de dormir. S'il n'était pas si tard, ma petite Albertine, je vous montrerais que ces phrases types que vous commencez à reconnaître comme moi, les mêmes dans la sonate, dans le Septuor, dans les autres œuvres, cette petite musique qui revient, qui insiste, et que vous jugez imprudemment monotone, eh bien,
Dans la littérature. La bonne littérature, j'entends. C'est comme une réalité cachée, révélée par une trace matérielle. Regardez les tailleurs de pierre chez Thomas Hardy. Ils sont dans Jus de l'obscur, mais aussi dans La Bien-aimée. Vous vous souvenez des blocs de pierre que le père extrait de l'île? Ils arrivent par bateau pour s'entasser dans l'atelier du fils. Et ils deviennent des statues. Le parallélisme entre La Bien-aimée, où l'homme aime trois femmes, et Les Yeux bleus, où la femme aime trois hommes, eh bien, ce parallélisme, vous ne m'écoutez pas. Mais si, je vous écoute. Je vous écoute et je me dis que je n'aurais pas dû vous parler de Morel. Ça, c'est la réalité cachée que je lis sur votre visage. Et qu'est-ce que vous lisez? Quelque chose qui ressemble à de la jalousie. Vrai ou faux? Ce n'est pas complètement faux. Quelque chose qui a à voir avec la lettre que M. de Charlus a ouverte par mégarde. Une lettre que Léa adressait à Morel. C'est elle qui vous en a parlé? C'est bien ce que j'avais imaginé. Une lettre assez salée, où elle traitait Morel de grande vicieuse. Assez bien tournée, je dois dire. Elle lui disait « Ma belle chérie, au moins toi tu en es ». Mais elle lui disait ça gentiment. Elle vous l'a lu? Bien sûr qu'elle me l'a lu. Gilberte était avec Léa. Vous dites ça pour... Peut-être. Après tout, je n'y étais pas. N'a-t-elle pas essayé d'avoir des relations avec vous? Les jours de mauvais temps, ses parents la faisaient chercher. Une fois, elle m'a ramenée. Elle m'a embrassée. Elle m'a même demandé si j'aimais les femmes. J'ai répondu oui, comme ça. Pour le plaisir de la mystifier. Et puis c'est tout. On n'a rien fait de plus. Thank you.
Bonjour. Vous me preniez pour maman. En effet, je commence à lui ressembler beaucoup. J'ai tout fait un peu. Il y a tant de monde. Cette fête est d'ailleurs très réussie. Je ne vais pas rester bien longtemps. Vous savez, la pensée de Robert m'occupe toujours l'esprit. Je sais combien vous l'admiriez. Croyez bien que j'ai su comprendre l'être supérieur qu'il était. Je ne puis pas vous dire à quel point la moindre des choses qu'il me disait me frappe maintenant. Il avait de fabuleuses prémonitions sur la guerre. Et il ne s'est pas trompé. Sur les avions. Vous rappelez-vous quand il disait... Il avait de si jolies phrases. Il faut que chaque armée soit un Argus aux cent yeux. C'est de la poésie, n'est-ce pas? Mais comment venez-vous dans des matinées si nombreuses? Vous vous retrouvez dans une grande tuerie comme cela. Ce n'est pas ainsi que je vous schématisais. En vérité, je m'attendais à vous trouver partout ailleurs qu'un des grands tralala de ma tante. Puisque tant il y a. Non. C'est trop drôle, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Mais d'où sortez-vous? De ma maison de santé. Cette chose tapissée de bijoux qui a du mal à finir son gâteau à cause de son nouveau dentier. Vous la reconnaissez? C'est la nouvelle princesse de Guermantes, Exie de Nivert-du-Rhin. Jamais. L'inspiration, l'émotion. Regardez ! Moi qui désespérais de ne pas vous voir. J'ai entendu dire que Rachel allait nous dire des poèmes d'Alfred de Musset. Oui, c'est mon idée. Le souvenir d'Alfred de Musset, c'est mon poème favori. Mon oncle a été ruiné par la défaite allemande. Et la fortune des Verdurin l'avait trop mis en selle. Après la mort de son premier mari, Madame Verdurin a épousé le duc de Duras, qui était déjà bien malade. Et voilà comment mon oncle Gilbert, veuve de la princesse Edwige, a épousé une veuve qui était devenue duchesse. Et voilà, le tour est joué. Regardez comme elle s'y croit. Et comme chacun fait semblant d'y croire. Bonjour. Oh,
Bonjour. Vous allez bien? Vous voulez un peu de non, chance? Merci. Non. Excusez-moi. Alors, Gilberte vous a fait le coup de la veuve inconsolable. La vérité, c'est qu'elle n'a aucune espèce de chagrin. M'a même étonnée par un rare cynisme dans l'affectation de son indifférence. Voyons si elle avait aimé tant soit peu son mari. Pourrait-elle supporter avec ce flegme de se trouver dans le même salon que la femme dont il a été l'amant éperdu depuis tant d'années? Mais c'est pourtant bien vous qui avez fait inviter Rachel. En effet, je voulais voir si elle viendrait et elle est venue. C'est toute la différence entre elle et moi. Je n'oublie pas ce pauvre Robert, je n'oublie personne. Vous voulez que je lui dise qu'elle est une cochonne? Bonjour. Bonjour. Morel, pardonnez-moi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, Morel. Franchement, il y a vraiment des questions, des fois. Marcel, vous savez ce que j'ai entendu about Madame de Forcheville? Qu'elle ressemble à une rose stérilisée. Ça lui va très champagne? Bien. Like we say in English, like a glove. Nous aussi, comme un gant. Ah oui? Apparemment, vous ne l'aimez pas beaucoup. Et pourtant, si j'ai bien compris, c'est une de vos parentes. Oui, très vaguement. Du côté de mon mari, mais c'est lointain. C'est étrange comment on se découvre des parents très proches ou très lointains selon le degré d'intérêt qu'on leur porte. C'est vrai, je me sens très proche d'Oriane de Guermantes. Elle est élégante, elle est fine. Mais quand je vois cette rose stérilisée passer toutes ses matinées et ses soirées avec le duc, je trouve ça but terribly disgusting. Ah bon? Really, really disgusting. La duchesse Odette de Crécy, non, pardonnez-moi, Odette de Forcheville et le duc Bazin. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Enfin, tout Paris le sait. Le duc a même été renvoyé de la présidence du Jockey Club à cause de cette liaison. Ah non, il a perdu la tête. Il est gâteux. Gâteux. On dit qu'il se comporte avec elle comme un tyran. Et que s'il pouvait, il la maintiendrait prisonnière. Et la duchesse? Ah. La duchesse, mon amie Oriane, elle est irréprochable. Elle souffre, que voulez-vous? Elle souffre en silence. Et ce qui rajoute à sa souffrance, c'est qu'on lui prête des aventures. It's absolutely disgusting. Oh, oh, Jacques, à propos. Vous savez que l'autre jour, comment allez-vous? Vous savez, à la sortie... Franchement, Madame, j'ai lu sur la partition Allegro, ma non troppo. Oh, vraiment, fluide. Qui va parler de fluidité? Pardon. Oui, oui. Il faut que l'on se voie. J'ai des choses à te dire. Bien sûr, voyons. Bien sûr. Merci. Nous ferons clan. Nous ferons clan. Je vous le dis, nous ferons clan. Clan? Vous avez vu la magicienne? Non. J'aime cette jeunesse. Oh, si intéressante, si participante. Vous la connaissez, la magicienne? Non. La musicienne, la voilà. Oh, c'est beau. Mais c'est beau ce que vous faites. Enchantée, madame. C'est beau. J'ai écouté... Pardonnez-moi. Comment va votre mère? Elle est toujours admirable. Ah, bonjour, bonjour. Peut-être, mais alors on l'enlève. À vrai dire, il faut que je vous l'enlève. Mais vous savez ce que j'ai préféré, c'est le staccato. Avez-vous lu le dernier ouvrage de Jacques Rosier? Admirable, très ingénieux, un style proprement impensable pour laquelle. Oui, cet homme a du génie. Et du talent, c'est vrai que c'est un familier nous avons. Je l'y ai toujours. Je suis désolée, j'ai eu un moment de... Je ne sais pas, il y a tant de monde, de nouveaux visages. On se sent un peu perdu, comme dans le fog. On m'a dit que vous aviez été souffrant. C'est vrai que vous avez l'air un peu palot. Vous devriez retourner à Balbec. C'est si vivifiant.
Vous avez vu ma Gilberte? Ah, c'est vraiment ma fille bien-aimée. Sans elle, je serais perdue. Pourquoi me regardez-vous ainsi? J'ai changé à ce point. Si j'étais sculpteur, je vous prendrais comme modèle. Quelle charmante idée. Vous ne voudriez tout de même pas que je pose nue? Vous seriez parfaite dans l'allégorie de l'éternelle jeunesse. Vous le pensez? Vous le pensez sincèrement? Oui. Bonjour. Bonjour. Venez. Nous serons bien mieux chez moi. Toutes ces jacasseries me fatiguent. Et moi, elles me conviennent. Vous n'avez aucun sens de la fête, mon cher ami. From time to time, un peu de frivolité, un peu d'oubli, ça fait du bien. J'ai envie d'être seul, seul avec vous. Allez, venez. Ne faites pas l'enfant. Désolée. J'ai mieux à faire. Ah. Pendant que je vous tiens, j'espère que vous viendrez chez moi, j'organise des petites réunions intimes. Oui, avec des esprits sympathiques. Je vous voyais causer tout à l'heure avec ma tante Oriane. Elle a toutes les qualités qu'on voudra, mais on ne peut pas dire qu'elle appartienne à l'élite pensante. Tu savais que le jeune comte de Courvoisier s'imaginait le seul au monde à être attiré par quelqu'un de son sexe? Il supposait que ce penchant lui venait du diable. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas soupçon de ces choses-là. Si tu désires des renseignements là-dessus, mon cher Marcel, je te conseille de t'adresser ailleurs. Moi, je suis un soldat. Un point, c'est tout. Autrefois, cela t'intéressait, l'étymologie des batailles. Tu te souviens? Tu étais incollable sur la manœuvre d'encerclement d'Ulm en 1805. L'enveloppement par l'aile de l'armée bulgare. Alors voilà des sujets dont tu peux me parler, mais pour le genre de choses auxquelles tu fais allusion, non, ça, je m'y connais autant qu'en sanskrit. Oh, tu m'écoutes? Ah! Oh, Rachel va dire des vers d'Alfred de Musset. Venez, venez, c'est délicieux. Venez, venez. Il faut que l'on se voie, j'ai des choses à te dire. Mais si elle n'est pas morte, comment se fait-il qu'on ne la voit plus jamais, ni son mari non plus? Mais je te dirai que c'est parce qu'ils sont vieux, et à cet âge, on ne sort plus. La comtesse d'Arpajon est morte il y a un an d'une longue maladie. Et la marquise d'Arpajon est aussi morte depuis, très vite, d'une maladie insignifiante. Mais dites-moi, qui est cette jeune fille qui s'avance avec tant de grâce? Vous vous moquez, ma chère. Mais c'est la fille de Robert de Saint-Lô. Je trouve qu'elle a l'allure d'une guermante. Elle tient malheureusement beaucoup de sa mère et de sa grand-mère, Madame de Faucheville. Elle rêve déjà de lui faire faire un beau mariage pour affermir leur place dans le monde. Je le mette au pas, vous savez. Si je le laissais faire, il me séquestrerait. C'est un vrai tyran avec moi. J'ai réussi à lui arracher quelques fêtes, mais seulement en matinée, et à condition que ce ne soit pas des balles. Mais vous imaginez, j'ai l'impression qu'il devient fou. Remarquez, c'est un peu dans la famille. Quand je pense à son frère, j'en ai des frissons. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. C'est bien ça qui m'agace. J'adore ma liberté, et je n'ai de grands amours que pour des hommes qui sont terriblement jaloux de moi. Vous qui écrivez, vous devez comprendre cette étrangeté de caractère. Enfin, je parle pas de M. de Faucheville, qui était un médiocre, et moi, je ne puis aimer que des gens intelligents, mais de M. Swann, qui était si profond, si séduisant. Et M. de Bréauté, avec qui j'ai vécu 2 années d'amour fou, Hannibal, qu'on appelait Babal. Vous l'avez connu? C'est la même chose, s'il avait pu me cloîtrer. Et Rachel va dire quelques vers d'Alfred de Musset. Monsieur, votre oncle est occupé, il faudrait que vous repassiez un peu plus tard. Allez bien.
Mon neveu. Mes hommages. Mes hommages? Mais comme il est charmant. C'est fou ce qu'il ressemble à sa mère. Vous n'avez vu ma sœur qu'en photographie? Oh, mais je vous demande pardon, mon ami. Je l'ai vu dans votre escalier quand vous étiez malade l'année dernière. Je l'ai vu que le temps d'un éclair, mais... Votre escalier est bien noir. Mais cela m'a suffi pour l'admirer. Ce petit jeune homme a ses beaux yeux. Et aussi ça. Il ressemble surtout à son père. Avec peut-être le menton de ma pauvre mère. Vous connaissez les loukoums? Cela me vient directement d'Istanbul. Et j'en offre à tous mes amis. Faites votre choix. Vous avez la menthe, la rose, l'essence de cerf et la pistache. Merci. Attention, ça colle aux dents. Oh, ne soyez pas grognon, mon ami. Je suis ravie de faire la connaissance de votre neveu. Vous savez que j'ai connu votre père. Il a été tellement bon pour moi, tellement, tellement exquis. Bon. Cette fois, il est temps que tu retournes travailler. Vous savez que je suis habituée à celle que le grand-duc m'envoie. D'ailleurs, je lui ai dit que vous étiez jaloux. Bien, tu peux reprendre un autre loukoum, si tu veux. Et tu te sauves. Ses parents surveillent de très près ses études. Peut-être sera-t-il une espèce de petit Victor Hugo. J'adore les artistes. Il n'y a qu'eux qui comprennent les femmes. Les artistes et les êtres d'exception, comme vous. Bon, cette fois, tu dis au revoir et tu t'en vas. Déjà galant, vous avez vu? C'est ce que j'appelle un petit œil pour les femmes. Et alors là, je reconnais qu'il tient debout. Quand vous aurez appris à ne plus rougir sous les compliments, vous serez un parfait gentleman. Si vous voulez venir un jour prendre une tasse de thé chez moi, a cup of tea, comme disent nos amis anglais, vous êtes le bienvenu. Vous n'avez qu'à m'envoyer un bleu. Un bleu? Oui, un télégramme. Allez, file. Mais vous avez un accent anglais? Je suis américaine. Can we speak English a little bit? Of course. But you seem to speak a beautiful English already. Thank you. Alors, qu'est-ce que vous allez nous jouer? Beethoven. Réservé pour les familiers. Je vous confie cette clé. Vous me la rendrez tout à l'heure.
pauvre monsieur Swan a beaucoup de soucis avec sa coquine de femme qui vit avec un certain monsieur. Il y a plus de pistaches que de café, mais pas moins de voix. C'est pas une raison. C'est sûr, elle a pourtant de la femme, bien sûr. Il n'aime plus cette femme. Ça y est, monsieur Swan est parti. Maman va enfin pouvoir monter me dire bonsoir. Tiens, tu connais, c'est Victor Hugo. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Tu lis Victor Hugo ? Et toi, François Champy, à ton âge ? Moi ? Je suis déjà mort plusieurs fois. J'ai tenu à Albertine plus qu'à ma vie. Et puis j'ai cessé de l'aimer. C'est pareil pour Gilberte. Je ne l'aime plus depuis longtemps. Je suis devenu chaque fois quelqu'un d'autre. C'est comme cela qu'insensiblement, la mort vous devient indifférente. Tu dis ça pour te rassurer ? Non. Ce n'est pas pour moi que j'ai peur. C'est pour mon livre. Il me faut encore un peu de temps. Tu me le feras lire ? C'est maman. Maintenant, tu vas fermer les yeux. Que je vous sers, monsieur ? Une coupe de champagne. Bien. Mais avant, j'ai un petit service à vous demander. Tenez. Merci, monsieur. Cette jeune femme qui parle à son amie, elle a un rire un peu vulgaire et porte un chemisier de soie qui vient probablement d'une grande maison. Je suppose que c'est un cadeau. Ça, je ne sais pas, monsieur. Ce sont les manchettes du chemisier qui m'intéressent. Vous avez vu comme elles sont joliment retroussées ? J'aimerais que vous m'apportiez quelques précisions sur le motif de la broderie. Tâchez d'être précis. Est-ce un point de feston ? Une grille ajourée ? Mais je ne m'y connais pas, monsieur. Faites pour le mieux, mon ami. Le jour où le sculpteur Salvini mourut, il lui fut accordé, comme au reste des mortels, le temps de parcourir tous les lieux et les instants de sa vie sur Terre. Le sculpteur refusa cette grâce. Ma vie n'est qu'une succession d'aventures extraordinaires.
et leur rendre visite ne ferait que m'attrister davantage, dit-il. Je préfère me servir du temps que l'on m'a accordé pour parcourir ma dernière œuvre, Némésis divine, que tous connaissent mieux sous le nom de Triomphe de la mort. Ainsi fit-il. Peu de temps après, l'ange de la mort apparut pour lui annoncer que le temps de grâce était passé. Il y a un paradoxe dans tout cela, s'exclama Salvini. J'avais assez de temps pour visiter tous les instants de ma vie, qui dura 63 ans, et ce même temps n'a pas suffi pour parcourir une œuvre que j'ai faite en 3 mois. Dans cette œuvre, il y a toute ta vie, et la vie de tous les hommes, répondit l'ange de la mort. Pour la parcourir, il t'aurait fallu une éternité.